Salut, c'est Fireflav et bienvenue pour un petit test de Formula On 06 qui est bien sûr un jeu de Formule 1 qui est sorti comme le nom l'indique en 2006 et c'est développé par Sony entièrement. Et oui, Sony ne fait pas que les PlayStation mais fait aussi sur des jeux et on est sur PlayStation 2 et c'est toujours Fireflav. Alors voilà, on est parti pour un nouveau jeu de course, comme vous le voyez. Et pour ce test de Formula On 06, on va commencer par faire une course rapide. Et vous allez voir que Formula On 06 respecte carrément la Formule 1 en proposant tous les pilotes de l'année, de la saison 2006. Voilà, Montoya, Schumacher, Massa, etc., etc. Et les circuits sont nombreux et c'est respectivement tous les circuits de la saison de la Formule 1. Istanbul, Monza, etc. etc. Donc Formula 1 06 c'est quand même un jeu très complet. Alors on va voir un peu ce que donne la course en temps réel, les graphismes et le gameplay bien sûr. On va mettre pas trop long, 3 tours. Et qu'est-ce que vous voulez prendre hein? Allez, on va prendre Alonso. Hop. Alors, en cliquant Alonso, on peut voir sa bagnole. C'est pas mal. Et on va débuter la course. Alors, le circuit, il y a pas mal de circuits. Hein. Comme je le disais, c'est tous les circuits de la saison. Et on va prendre Monte Carlo, qui est bien sûr le circuit le plus connu des circuits français. Et c'est parti. Alors oui voilà, il y a des petites dédicaces à chaque chargement et c'est pas mal, ça nous fait bien patienter. Des petites dédicaces historiques au niveau des courses de la saison de Formule 1 et c'est un bon clin d'œil. On peut voir au début que voilà, la grille a été mise automatiquement et on va commencer directement la course. On peut voir qu'ils ont fait un bon travail au niveau du réalisme. Et de la modélisation des véhicules aussi. Et j'espère vous faire une bonne course aujourd'hui. On peut entendre son manager qui commente à côté. Alors, au début ça va mais à la fin ça peut être saoulant. Et Formula On 06 on peut voir qu'il a toutes les Formula On 06 a toutes les licences et c'est agréable à voir. Et comme je le disais, les véhicules sont assez bien détaillés. Alors, quand on parle du gameplay, le gameplay, il est, on va pas dire difficile à prendre en main au début, mais il est pas vraiment évident quand on n'a pas l'habitude de jouer au jeu de Formule 1. Et on va dire que il n'est pas évident au début, mais on le prend vite en main. Et on peut voir la gestion des collisions qui a été apparemment améliorée dans ce Formula On 06. Et la gestion des collisions est un peu mieux répercutée. Bon, il y a certains virages bien sûr à Monte Carlo qui sont pas faciles. Bon là on peut voir les yachts, comme je le dis le réalisme est porté assez bien. Bon les spectateurs ressemblent un peu à rien mais bon ça c'est un peu à côté. Malheureusement le gameplay ne séduit pas totalement avec une IA parfois un peu saccadée mais surtout on va dire que le gameplay n'est pas assez poussé, on va dire, pour un jeu de Formule 1. Et puis, je pourrais même dire que les courses se répètent au fur et à mesure. Alors, l'IA est pas parfaite. Les commentaires sont pas trop mal. Et on ressent une... Et au niveau de la sensation de vitesse, on ressent pas vraiment une grande sensation de vitesse. C'est ça qu'on peut reprocher à Formula 1 06, c'est pas de se ressentir au volant d'une Formule 1. Alors là, il y a plusieurs vues. Il y a une vue où on se ressent plus dans une Formule 1. Je vais vous la faire voir. Alors, si j'arrive, bien sûr. Voilà, là c'est où on ressent la plus grande sensation de vitesse et je vous la recommande cette vue. Mais comme je dis, la sensation de vitesse n'est pas
n'est pas forcément immédiat. C'est pas du grand Formula. Au niveau des graphismes, désolé de dire ça, mais c'est grossier. Des graphismes vraiment pas affinés. Et au niveau graphisme, malheureusement, on est déçu. Alors vous le voyez peut-être pas, mais le visage des pilotes est très mal modélisé. Bon, vous allez me dire, ils sont sous un casque, on voit pas leur gueule, mais bon. Quand même, quoi. Quand on voit à l'époque un PES6 qui fait des centaines de jours bien modélisés et que Formula 1 06 c'est pas foutu de faire quelques visages de ces vingtaines de pilotes, on se dit que Formula n'a pas vraiment fait un grand effort. Alors voilà, je suis dans le dernier tour. Alors par contre, ah là là, c'est terrible. Hein. Alors, la gestion des collisions a été améliorée apparemment. Mais je vois surtout que ça a été amélioré, mais c'est pas encore parfait. Alors quelque chose de plaisant, c'est bien sûr toutes les licences qui sont sur les côtés. C'est vraiment plaisant. Mais on peut dire que c'est qu'un petit plus par rapport aux graphismes qui sont vraiment moches. Alors vous voyez la mer. Alors la mer, on dirait une flaque d'eau, mais laissez tomber. Même Mario Kart fait mieux. Au niveau graphisme. Alors je vous l'ai dit, là je suis pas si je suis en facile, en moyen, mais l'IA est quand même assez compliquée. Faut vraiment être concentré dans les courses. Un jeu sorti en 2006, et pour un jeu de 2006, on va dire, c'est quand même assez moche, même sur PlayStation 2. Je trouve ça très très moche, très grossier. Il n'y a rien d'affiné dans ce Formula 1 06. Bon bah je me rate un peu. Mais on va franchir la ligne ensemble. Et on va faire un petit 300. Et à peine. Alors voilà, on voit le classement à la fin de la course. Alors j'ai fait une course rapide, mais il y a plusieurs modes de jeu. Et je vais vous faire voir notamment le mode carrière de Formula 1 06 qui est assez complet et qui rajoute une bonne durée de vie à ce Formula 1 06 avec un gameplay très moyen et des graphismes moins que moyens. On va voir un peu. Alors voilà, on peut jouer à deux écrans partagés, c'est pas trop mal, mais on s'y retrouve pas toujours. Mais on va faire bien sûr une carrière, vous allez voir. On va commencer une carrière. Alors voilà la difficulté. Bon, pour moi on va mettre facile. On va... Voilà, on a lancé une carrière et vous allez voir que la carrière est assez réaliste. Alors bien sûr, avant de... Vous pouvez le voir, aux abords de cette carrière, avant de faire votre première course, il faut bien sûr avoir une écurie. Et ça, c'est assez réaliste. Et tant que vous n'avez pas d'écurie, et ben vous avez pas... vous pouvez pas être un pro du pilotage. Alors il faut faire pas mal de tests pour avoir une écurie. Bon, c'est assez chiant, mais à la fin on se dit c'est assez réaliste. Ouais, tout, allez au test, regardez. C'est pour faire un test pour aller dans cette écurie. On va aller au test. Et les tests sont pas cons. Encore une fois, le petit clin d'œil à la saison de Formule 1. C'est pas mal les petits clins d'œil. Et là je vais faire un petit test pour essayer. D'aller dans cette écurie. Je pense pas qu'on va faire tout le test. Bon, on peut voir que les différents environnements de course changent vraiment. Il y a pas mal d'environnements et c'est vraiment pas mal. Alors moi, la première fois que j'ai joué à Formula 1 06, j'avais 10-11 ans et je trouvais ça déjà assez bien poussé. Vous allez me dire, à 10-11 ans, on voit pas trop la différence. Mais petit à petit, j'ai vu que c'était pas un jeu aussi bien que ça en avait l'air. Et que on va dire que Formula a bien évolué sur la PS3. Le changement de support a fait que Formula 1 06 s'est inscrit dans les grandes licences des jeux de course. Alors, je pouvais parler des spectateurs
sur la course de Monte Carlo. Alors ils sont très mal faits, les spectateurs au bord des routes. Ils auraient pu un peu plus affiner ça, car il n'y en a pas autant que sur dans un grand stade comme à FIFA. Mais je pense que les spectateurs auraient... ça aurait mérité une meilleure modélisation des spectateurs. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Bon, on dit que les graphismes sont moches, mais c'est passable. Passable pour une PlayStation 2. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est que chaque circuit est très très bien modélisé, et ça c'est le plus. Alors là, je vous rappelle qu'on est dans un test pour aller dans l'écurie. Là, devenir un pro. Mais il n'y a pas qu'un test, il y a plusieurs tests. Ce qui montre que Rome ne s'est pas fait en un jour. Mais il n'y a pas que ça, ce qui montre que c'est très réaliste. Je pense pas que je vais finir le test pour vous parce qu'il est très long. Je pense qu'on a pas mal de tours à faire. Alors voilà, je me rate un peu. Bon, il y a des vibrations, mais ça sert pas à grand chose parce que la sensation de vitesse n'est pas très ressentie dans ce Formula On 06. Alors bien sûr, sur la chaîne Oliver Flav, si vous avez envie de poster un commentaire pour vouloir donner votre avis sur nos vidéos, mais surtout nous encourager et nous proposer des vidéos tests de jeux à faire, et ben vous êtes la bienvenue, car on a besoin de conseils et on a besoin d'être soutenu surtout. Parenthèse fermée, on est toujours sur Formula On 06 avec Fire Flav. The Fire Flav of the Shock. Alors voilà. Je pense pas que je vais terminer le test. En tout cas, on conclura ce Formula 1 06 par un gameplay pas assez souple, un gameplay pas assez poussé, un gameplay un peu trop simple pour une Formule 1, et on a malheureusement à dire que beaucoup de courses se ressemblent au niveau de leur scénario. Graphiquement, c'est plutôt moche, mais néanmoins graphiquement, on garde quand même les licences. La modélisation des circuits fait que les graphismes sont un peu complétés par le manque de finesse de ces graphismes-là. Bon, la durée de vie, elle est tout à fait énorme. Elle est très respectable avec un mode carrière. Il y a un mode de joueur, il y a des courses rapides. Il y a tous les pilotes de la saison. Il y a tous les circuits de la saison. Tout ça est très bien respecté. Et le mode carrière est vraiment complet et très réaliste, comme on a pu le voir là. Voilà tout. La bande son, rien à dire. Hein, c'est de la Formule 1. Je pense qu'ils peuvent pas faire mieux, ils peuvent pas faire plus mal. Les jeux de bagnole, de toute façon, c'est facile. Vous mettez un bruit de moteur derrière et c'est bon, c'est parti. Le scénario, il n'y en a pas. Et je vais conclure sur des notes, bien sûr. Alors, au niveau des graphismes, je donne un 12 sur 20. Note sauvée notamment par les licences et la bonne modélisation des circuits et la variante des circuits. Au niveau gameplay, c'est très décevant. 11 sur 20. Je ne mettrai non plus une bonne note pour ce qui est bande son basique. On peut pas faire mieux, je mettrai un 14 sur 20. Et bien sûr, la durée de vie qui est tout à fait respectable pour un jeu de Formule 1, en tout cas. En tout cas, s'il faisait un peu moins, ça serait très critiqué. Et la durée de vie, je mettrais un bon 16 sur 20. Pour une note générale, pour moi, de 14 sur 20. Bon, c'est pas le jeu de Formule 1 ultime, mais Formula 1 06 reste quand même un jeu respectable de la Formule 1 sorti sur PlayStation 1. Donc, je vous le recommande pas de l'acheter. De toute façon, je sais plus où on pourra le trouver à part d'occasion. Achetez plutôt les Formule 1 sur PS3, ça serait un peu plus sympa. Mais si vous avez du temps à perdre, achetez Formula 1 06. Ça sera toujours un peu de plaisir, même si vous voyez, ce n'est pas parfait. Donc voilà, on ferme ce vidéo test de Formula 1 06 sur une note de 14 sur 20 avec Fire Flav of the Shock, a Fire Flav. Salut. Ah, pardon.